François Cheng est un écrivain, poète et calligraphe d'origine chinoise, naturalisé français et membre de l'Académie française. Enfant, il a vécu les horreurs de la guerre, d'abord de la guerre sino-japonaise, qui a vu en 1937 les troupes de l'empereur du Japon envahir la Chine, et puis ensuite, après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la guerre entre les nationalistes et les communistes qui se terminera par la victoire de Mao. Et puis, il arrive à Paris en 1948 avec ses parents, il a alors 18 ans, et il décide, ayant été passionné par la lecture des poètes français qu'il avait lus en chinois, il décide de rester à Paris alors que ses parents et ses frères, eux, partent en Grande-Bretagne. Et de fait, il deviendra un pont et un passeur entre les cultures orientales et les cultures occidentales, puisqu'il a traduit de nombreux poètes français en chinois et vice-versa. Il s'est également beaucoup penché sur la mort, l'âme, la beauté, le sens de la vie, et les titres de ses ouvrages en témoignent. Cinq méditations sur la beauté, cinq méditations sur la mort, de l'âme, le vide et le plein, et puis dernièrement, en 2022, ce très beau titre, Une longue route pour m'unir au chant français. Je vous cite aujourd'hui un extrait d'un discours qu'il a tenu à l'Académie française, où il nous parle des symboles des vertus au travers de quatre plantes. Certaines plantes séduisent par leur beauté, mais aussi par les vertus qu'elles suggèrent, qu'elles donnent à sentir. Ce sont le bambou, l'orchidée, le prunus, le lotus. On les baptise du beau nom de quatre êtres supérieurs ou de quatre excellences. Commençons par le bambou, dont la tige élancée et les feuilles acérées sont proches des traits de la calligraphie. Il est devenu une figure emblématique du meilleur esprit chinois. Les sens symboliques qu'il suscite sont multiples. Quels sont-ils? D'abord, la droiture et l'élévation, à l'image de cette plante qui s'élance tout droit comme un jet. Ensuite, la jeunesse et la fraîcheur d'esprit. Car le bambou, pareil en cela à mes confrères de l'Académie, demeure toujours vert. Puis, l'idée d'un perpétuel dépassement de soi. En effet, en sa croissance, le bambou ne pousse pas sur une simple ligne continue. Il est formé d'une succession de sections, comme autant d'étapes de la vie, ou autant de sauts qualitatifs, par lesquels il cherche à se dépasser. Une autre vertu encore suggérée par un aspect du bambou, est l'intérieur de celui-ci, est creux. Plus exactement, il est vide. Avoir le cœur vide se dit en chinois xuxin. Cette expression n'est pas péjorative, car avoir le cœur vide signifie avoir le cœur habité par la vacuité, c'est-à-dire un cœur ou un esprit dénué de vanité ou de suffisance, et la vertu ici représentée est donc l'humilité. Après le bambou, nous abordons plus brièvement les vertus de trois autres plantes. Le prunus est une plante toute de contraste. Sur une branche rugueuse, pleine de vigueur, apparaissent de petites fleurs délicates, aux coloris tendres, frémissantes de vivacité. Et surtout, il fleurit en hiver. Une des joies des peintres chinois, et de tout chinois, est d'aller admirer le prunus fleuri en pleine neige, sur fond de blancheur, ces fleurs roses vives affichent leur fierté d'avoir triomphé de la froidure et de manifester de la beauté de leur être malgré l'adversité. Il en va de même pour le lotus. Celui-ci pousse dans l'étang. Au-dessus de la boue, il déploie sa présence noble et dépouillée. Comme ses pétales vernissés ne sont jamais attachés par la boue, il devient le symbole de la pureté que rien ne saurait corrompre. Quant à l'orchidée, par ses couleurs, son parfum, sa forme indéfinissable, elle incarne une beauté sans cesse renouvelée, une beauté faite de douceur, de délicatesse et d'harmonie. On aura compris, l'ensemble des pratiques que nous venons de voir consiste à chercher des vertus à des entités vivantes de la nature qui ont le don de rendre celles-ci séduisantes. Autrement dit, de relier l'éthique et l'esthétique, et par là à démontrer une vérité plus fondamentale encore, prônée par les anciens, à savoir qu'à un niveau supérieur,
le bien et le beau sont unis, que la vraie bonté et la vraie bonté et la vraie beauté sont en réalité inséparables.